Je suis la chose, je suis la pute inanimée, à baiser, à volonté. J'ai été abandonnée à la naissance et j'ai été placée à l'ASE, anciennement la DAS, parce que mes parents étaient malades psychiatriquement et toxicomanes les deux. On m'a mis dans ce qu'on appelle une pouponnière, donc foyer pour bébé. J'y suis restée du coup, non pas en pouponnière, mais ensuite à mes 3 ans, on m'a déplacée dans un foyer de l'enfance classique jusqu'à mes 18 ans. Les règles sont différentes dans les foyers de l'enfance, c'est la loi du plus fort qui régit tout. Les faibles sont écrasés, tabassés. Donc j'ai été placée en foyer de l'enfance. Les violences sexuelles ont commencé quand j'ai eu 8 ans. Un jeu anodin qui s'appelle Jacadi, que tout le monde connaît. Il y a 5 mecs sur un lit. Moi, je suis devant eux. Et au fur et à mesure, quand on en vient à Jacadi 4 pattes, Jacadi couché, Jacadi sus, et effet de bande, effet de groupe, je suis tétanisée, je suis toute seule face à ces 5 dégénérés. Je me rends très vite compte que ça va pas, qu'il y a un problème et qu'en fait, on n'est pas en train de jouer. Le premier viol commence dans la semaine, juste après ce jeu. Je me réveille la nuit et j'ai un connard sur moi et qui m'empêche de respirer et qui me menace et qui me dit « si tu ouvres ta gueule, je vais t'égorger, sale chienne ». Et donc j'ai été violée comme ça par le violeur principal. Et ensuite, j'ai été violée comme ça, tous les jours, par 3 adolescents de 15 ans. Je suis la chose, je suis la pute inanimée, à baiser, à volonté. Comme ça se répétait dans le temps et tous les jours, je me disais que tous les hommes devaient être dégénérés. D'une part ça, et que de deux, potentiellement, ça allait être ça, ma vie. Alors le lendemain, non, j'ai pas voulu en parler, je voulais mourir, j'avais honte, je me sentais crade, je me sentais sale, je me sentais dégoûtante. Puis j'avais peur, j'étais terrorisée, j'étais menacée, je voulais disparaître. Les viols de nuit ont débordé le jour. Quand tu rentres de l'école, que tu te fais violer, et que la nuit aussi tu te fais violer, et qu'en fait tu te fais violer tout le temps. T'es en alerte chaque seconde, et puis tu sais que tu vas te faire violer, et puis t'attends en fait de te faire violer. Un jour, celui que j'appelle mon sauveur, à table, donc devant tout le monde, donc devant exactement 14 personnes, dit « Charlie se fait niquer tous les soirs par machin, machin, machin ». Voilà. Et ça fait 2 ans que ça dure. Surtout. Moi, j'étais dans cette dualité de je voulais que ça se sache pour que ça s'arrête, évidemment, bien sûr. Et en même temps, j'étais tétanisée. J'avais peur pour ma vie. Mon éducateur principal, le soir même de la révélation, m'a corrigée. Il m'a mis une fessée, cul nu, avec ce qu'on appelle en alsacien son schlopa. C'est une claquette en bois. Pour être sûre que je sois, persuadée d'être moi la coupable et pas la victime. Parce que lui, pour qui sa réputation était tout, avait bien saisi à ce moment-là que les répercussions allaient être réelles et sérieuses. Comme c'est quelqu'un qui était focus sur sa réputation, je ne pouvais pas lui faire ça à lui. Le lendemain, on va chez les flics et je fais ma déposition et... La déposition est très particulière parce que je ne parle pas, parce que je suis traumatisée, parce que j'ai peur, parce que je me sens sale, je me sens crade, parce que je me suis prise la fessée la veille. J'étais sous l'emprise totale de mon éducateur de l'autre côté du mur. Alors à la fin de cette déposition, je me suis sentie légère pendant 5 secondes parce que ça a été la seule à me dire que j'étais la victime. Et donc du coup, déjà, je tiens à préciser que ça a sauvé ma psyché d'enfant parce qu'après, par la suite, on a continué d'entretenir ce truc de culpabilité me concernant. Moi, je retourne au foyer après donc la déposition. En une semaine, 2 des violeurs sont déplacés d'établissement. Ils ne sont pas mis dans ce qu'on appelle des PJJ, donc des prisons pour mineurs. Et en revanche, on juge le violeur principal et on le met en PJJ du coup et il prend 5 ans avec sursis. Après les viols de 2 ans, j'ai subi une agression sexuelle de la part d'un adulte, d'un éducateur quand j'avais 12 ans. Donc il m'a ploté partout et c'est tout, je dis c'est tout, en analogie avec ce que j'ai subi qui pour moi me paraissait tellement... de la poussière d'étoiles. Donc en plus là, un adulte m'agresse sexuellement. Donc je me dis, d'accord, donc les ados violent, agressent sexuellement, mais les adultes aussi. Quand on sort d'un passé aussi violent, comment on fait pour appréhender la vie, le quotidien? Et quelles sont les séquelles qui nous sont laissées? On compose le quotidien comme on peut et on a tout un tas de séquelles différentes. Je suis insomniaque. Bon, ça, c'est directement lié au viol. Ensuite, j'ai eu les séquelles du syndrome de post-traumatique. Je m'arrachais les cheveux. Je me griffais jusqu'au sang. Je me faisais dégueuler, classique.
Mais c'était aussi pour malmener mon corps. Je détestais mon corps. Pour moi, le corporel était sale. Donc typiquement, le sexe est un mot qui pour moi m'est très difficilement prononçable. Le cul, tu vois, qui est un mot moins grossier pour moi et qui me fait moins de mal, donc n'était pas envisageable. Je m'imaginais une vie monocale, de vierge, à tout jamais redevenue. J'étais dans un rapport de séduction avec tous les hommes que je fréquentais, pas dans le sens fréquenter relation intime, hein, mais que je côtoyais, parce que mon rapport à l'homme avait été dévoyé dès toute petite et que je n'avais connu que le relationnel genré homme-femme perverti. J'ai rencontré mon premier amour quand j'avais 17 ans, il en avait 19, avec qui j'ai eu ma première fois légale, on va dire ça comme ça. Et ça s'est ultra bien passé, et parce que c'était juste le parfait petit ami, vraiment, ça m'a sauvé des hommes, de mon regard sur les hommes, où je me suis juste dit, ok, il y a d'autres spécimens qui existent que des dégénérés, des potentiels agresseurs, des potentiels violeurs, des potentiels prédateurs. Aujourd'hui, je dirais que je vais bien, je suis déjà devant vous, vivante. Comment peut-on changer justement toutes ces choses-là en faisant exactement ce qu'on est en train de faire, en parlant et en mettant les bons mots sur les mots MEX. Pour que les choses bougent, avancent, déjà, il faut un, les nommer comme elles s'appellent. Il ne faut pas les aseptiser parce que ça ne rend pas service à ce qu'on dénonce. Ensuite, il faut vulgariser évidemment ce qu'on dénonce. Il faut en parler et pas que quand c'est la saison. Ce que je dirais à quelqu'un qui se reconnaîtrait dans ce que je dis, qui aurait des mots ressemblants, c'est que cette personne n'est pas seule. Parce qu'en ce qui concerne les violences sexuelles, on est 2 sur 5 à connaître les violences sexuelles mineures. Et surtout, n'ayez pas honte. La victime n'a pas à avoir honte. Aujourd'hui, je mets toute mon énergie et tout ce par quoi je suis passée au service des autres. Je m'en suis sortie et j'ai réussi à en faire quelque chose. Un livre, des pièces de théâtre, un film qui va se tourner cet été, qui justement reprend la thématique du viol et qui se focus sur ce qui est très peu abordé, les tourments, les séquelles. La plupart des gens ne réalisent pas et ne se rendent pas compte de ce que ça signifie au quotidien dans ces rapports aux autres et spécifiquement au genre qui l'aura violé. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur de mettre ça en valeur parce que c'est très 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 peu montré.